Allez, salut tout le monde, ici iPlay4U, c'est parti, on attaque le 12e épisode du quartier riche de Minecraft Hollywood. Je vous avais quitté la dernière fois dans cette magnifique opéra. J'ai joué deux petites pièces de théâtre, Hamlet, Roméo et Juliette. On a toujours la grosse dinde de Juliette d'ailleurs qui est sur le balcon, craftée par moi-même. Assez impressionné hein, par mon design de balcon, c'est à croire que j'ai presque progressé. Du coup, il ne me reste plus que l'animalerie à visiter et j'aurai validé cette quête. J'espère normalement obtenir une nouvelle clé. Ça sera ma troisième sur les 5 clés que je dois posséder. Allez, c'est parti. On y va. On va essayer de trouver l'animalerie. Donc l'animalerie, si je regarde bien mes précédents épisodes, se trouve à côté de la mairie. Il faut donc que je retrouve la mairie, qui elle-même est à côté du marché, pour la retrouver et inspecter un peu ce qui se passe à l'intérieur, tout simplement. Alors, parce que là, je connais pas très bien. On va aller continuer de visiter. Ça a l'air d'être par là, par là. Si je pouvais retourner dans le hall d'entrée. Ouais, ok, c'est par là. C'est par là. Ok, super, j'ai trouvé. Et donc, c'est un miracle que j'arrive à me... J'ai 13 planches de bois. Hop, je préfère m'en débarrasser d'une. Ça fera 12 comme ça, nickel. Plap, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Ouais, c'est vraiment un miracle que je sois arrivé à me diriger comme ça du premier coup. Ok, super. Allez, on se dirige vers la mairie. Alors la mairie, la mairie, la mairie. La mairie, putain, la mairie, quoi. Sérieux, où elle est cette foutue mairie? Non, elle doit pas être par là. Elle doit être par là, je pense. Je suis pas encore très très bien. Je sais pas encore très très bien m'orienter dans cette immense ville. Putain, elle a vraiment tout le quartier riche là-bas. Une araignée, je sais pas ce que c'est que ce bâtiment. Peut-être par là. La mairie, donc là il y a des zombies, on s'en fiche un peu. On s'en fiche un peu, on s'en fiche. Là c'est pas par là. Elle doit pas être loin la mairie. Quoi qu'à la limite, c'est vrai que j'en sais pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Galerie commerciale des cochons d'Inde. Alors c'est pas tant la galerie commerciale que je cherche. Ah, est-ce que ce serait pas par là la mairie? Ça me dit bien. Ça me dit bien, ça me dit bien, ça me dit bien. La mairie, c'est pas ça, c'est quoi ça? Ici, on a le bar. Je sais plus où aller, cette foutue mairie, quoi. Est-ce que c'est ça, là-bas? Donc, l'animalerie se trouve à côté de la mairie. Qu'est-ce qu'on a ici? Bureau de filtrage des messages d'iPlay. On l'a visité, ça. On l'a visité. Restaurant. Ok, c'est pas ça, c'est pas ça. Petite mairie. Casino. C'est magnifique. Casino, casino, casino. Mairie, mairie, putain, mairie, mairie, mairie. Mairie, je crois que c'était le bâtiment le plus haut de la ville. Alors, vous dire où maintenant? Non, ça, on s'en fiche un peu. Là, y a rien, c'est bon, y a personne. Le bâtiment le plus haut de la ville. J'ai pas une carte. J'ai pas une carte à un moment. Non, c'est pas ça que je voulais. X. Voilà, c'est X. Oh, je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, mais je pense pas que ce soit par là. M. Non, c'est pas vrai, c'est pas M que je veux. X, voilà. Ouais. Bah, je sais plus. Je sais plus, je sais plus, je vais... Je vais couper et je vous retrouve quand j'ai trouvé, à tout de suite. Alors, j'ai pas trouvé la mairie, mais alors par contre, j'ai un bâtiment en face qui est juste what the fuck. Et je voulais juste vous le montrer, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de psychopathe, là, en face? Les filles, salut Brice. Le quartier musée n'est pas encore disponible, revenez plus tard. Donc ça, c'est la ville qui évolue, hein. Minecraft Hollywood évolue au fil des épisodes, puisque mon équipe est toujours en train de construire au fil des mois, ça fait 9 mois qu'ils y sont. Waouh, 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 waouh. Regardez-moi ce bâtiment de la mort, quoi. Le musée, ça donne bien envie d'y aller. Je peux pas y aller, mais... Eh ben, dis donc, mes amis. Bon, allez, je recoupe la séquence et je vous retrouve quand je suis dans la mairie. Alors, bon, ça y est, j'ai trouvé la mairie. J'ai trouvé la mairie. Est-ce que j'avais fait ce coffre, tiens? Coffre de champignons. J'ai trouvé la mairie. Il faut donc que je trouve l'animalerie maintenant. Mais alors l'animalerie, vous dire où elle est?
Je me souviens plus du tout. Petite animalerie. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Ça, c'est quoi cet endroit à part une zone remplie de monstres? Entrée du marché. On s'en fiche un peu. Quelle galère pour trouver l'animalerie, quoi. Donc là, on a le clocher que j'ai finalement jamais visité. Il y a sûrement une suite de quêtes tôt ou tard qui va m'emmener à l'intérieur. Mais alors, l'animalerie. Je sais pas du tout, du tout, du tout où elle est, quoi. Putain, c'est pas vrai, quoi. C'est ouf. Animalerie, 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 animalerie. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est quoi? Ça, c'est l'immense manoir avec le clown pour décrocher le contrat Walking Dead. Ok, on y est déjà allé, c'est pas un souci. T'as foutu animalerie, quoi. Sérieux. C'est un épisode entier pour chercher l'animalerie, quoi. Allez, je recoupe la séquence et je vous retrouve quand j'ai trouvé l'animalerie. Voilà, bon, l'équipe m'a aidé, hein. L'équipe m'a aidé, je vais être franc avec vous parce que j'ai tourné en rond pendant un temps fou et je trouvais pas. Donc voilà, ils m'ont aidé pour trouver l'animalerie, donc c'est fait. En plus, j'y vais avec un yinche. Allez, viens. Viens, petit squelette. Tu vas pas bouger? C'est pas moi qui vais bouger, hein. Ok. Il n'y avait pas un creeper? J'étais persuadé d'avoir vu un creeper. Ok, bon, alors l'animalerie. Là-bas, il y a un creeper, il y a un squelette, il y en a du monstre ici. Attention le chien! Attention le chien! Ok, ça c'est bon. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose. Il va falloir que je monte. Donc, on va grimper. Alors, voyons voir un peu ce qui se cache là-dedans. Toc, toc, toc. Là-dedans, pas de creeper, pas de creeper, pas de creeper. Animalerie. Ah! Marché. Voilà, l'animalerie est ici. Effectivement, je pouvais toujours chercher. Excellent. Chaton mort? Attendez, parce que j'entends des mobs. Chaton mort? Pourquoi ils sont morts, les pauvres chatons? Attention, les renards mordent. Ok. Là, on a des fox. On a des fox là-dedans. Fox renard. Oh, le vieux jeu de mots pourri, quoi. On a des fox, on a des renards. Enclos des pingouins. Salut les pingouins. Et magnifique cette animalerie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, ça je prends. Et on a des frisbees. Salut les fox. Fox renard. Ok, ça c'est bon. On passe par là. On a des libellules, des sortes de je sais pas quoi. Ne pas nourrir les chiots. Ok, les creepers, on peut les nourrir ou pas? Coucou, petit creeper. C'est à se demander ce que tu fous là, toi. Qu'est-ce que tu fous là, sale bête? Voilà, dégage. Alors, Snoopy. Cette folle au chat m'énerve quand elle vient. En plus, elle était là toute la journée de dimanche. Ok, bon, bah, j'ai vérifié son alibi. Elle était bien là toute la journée de dimanche. Pas de soucis. Alors là-dedans, laisse. On a même une laisse. Excellent. Ok. C'est bon. C'est validé. L'alibi. J'ai entendu un creeper. Je suis sûr d'avoir entendu un creeper. L'alibi a été vérifié. Donc c'est ok. Il n'y a plus qu'à se barrer. On retourne au commissariat. Et on va valider cette foutue quête. J'ai tout validé. L'opéra. Le commissariat. La mairie. L'animalerie. L'hôtel. Il faut que je retrouve le commissariat maintenant. Alors là, pareil, pour trouver le commissariat, je pense qu'une bonne coupure pour vous rejoindre directement là-bas serait nécessaire. Allez, à toutes. Alors, je vous retrouve, je ne l'ai pas trouvé encore, mais je me demande si je suis pas loin. Là, par contre, j'ai trouvé tout seul comme un grand, mais ça me dit quelque chose, cet espace-là. Je ne sais pas pourquoi, étonnamment, ça me dit quelque chose. J'ai bien l'impression que le commissariat ne doit pas être loin. Donc là, c'est quoi? C'est le palace? Ça, c'est le palace. Je sais pas pourquoi, mais ça me dit quelque chose. C'est pas ici le commissariat. Chez Clark Kent, non, non, non. Ça me dit quelque chose dans ce coin-là. À mon avis, je dois pas être loin du commissariat quand même. Petit commissariat, where are you? Ici, c'est quoi? Ce serait pas ça? Alors, voyons voir ça. Je vais le trouver. Je pense que je vais le trouver. À mon avis, je suis pas loin. Il doit être. Il doit être juste à côté. Allez, je vous retrouve pour de bon. Attendez, c'est peut-être ça.
Ça, c'est un bar. Police nationale! Oui, j'ai retrouvé! Yes! Miracle, super, ok, parfait. Ben, je suis bien content. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'était par là. Vérifie qu'il n'y ait pas de monstre. Ça, c'est bon, les cellules. Seulement quand tu auras mené ton enquête. J'ai mené mon enquête! Chef! Hey, salut, chef! Salut, chef! Chef, tu parles? Bien joué, petit. Petit pois mutant, tu as mené l'enquête, prends les récompenses dans le coffre. Ah oui, au fait, il paraît qu'un ermite aurait besoin de toi dans le quartier semi-riche. Ah. Un ermite aurait besoin de moi dans le quartier semi-riche, d'accord. Récompense de qui a tué Jean-Michel. 50$ et une clé. Yes! Clé numéro 3. Super. Youpi! Youpi, youpi, youpi. Ah, ça, c'est parfait. Ça, clé numéro 3. 50$, je commence à avoir du pognon. Je vais avoir suffisamment d'argent pour m'acheter une maison bientôt. Parler au chef avant de partir. Oui, il m'a donné effectivement un indice. Qui a voulu tuer Jean-Michel? Si la lampe s'allume, c'est correct. Ah merde! Ah merde, j'ai pris avant de. Oups! Ah, j'avais pas fait gaffe. Harold, Stella, Bernard, la folle au chat. Oh putain, je me rappelle plus. Merde! Je me souviens plus. Vive le hasard. Je me souviens plus. Bon, c'est pas la folle au chat, puisque je viens de la voir. Le colonel Moutarde. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout, je sais plus du tout, je sais plus du tout. Bernard Manard, Stella. Yeah, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, ça va péter. Oh, j'ai entendu de la TNT. Là-haut, il y a un coffre. Pourquoi il y a un coffre là-haut? C'est pas ça, je me souviens plus. Yes, c'était ça. Ok, ouf. Bah, donc j'ai eu chaud. Voilà, c'était Harold Drengo. Harold Drengo, le coupable. Mauvaise nouvelle, Jean-Michel est mort. Oups. J'ai tué Jean-Michel, putain, mon pauvre Jean-Michel. Bon, c'est pas bien grave, ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Il paraît qu'un ermite aurait besoin de toi dans le quartier semi-riche. Donc il faut que j'aille dans le quartier semi-riche, il y a un ermite qui a besoin de moi. Ok, on va aller dans le quartier semi-riche. Bon, j'ai tué qu'une personne avant de trouver, donc. L'un dans l'autre, c'était pas si mal, quoi. Une chance sur six. J'ai connu pire, hein. J'ai connu pire. On va passer par là, on va passer par là, on va aller dans le quartier semi-riche, puisqu'il y a un ermite qui a besoin de moi dans le quartier semi-riche. Quartier semi-riche, ok, un ermite. J'y suis déjà passé dans le quartier semi-riche. J'ai pas souvenir d'avoir vu un ermite, mais en même temps, on peut pas tout faire. Maintenant que je sais quoi chercher, on va approfondir un peu tout ça. Un ermite dans le quartier semi-riche. Alors là-dedans, ok, c'était par là le quartier semi-riche. Donc le quartier semi-riche, c'est le quartier, si je dis pas de bêtises, avant d'arriver au quartier riche. D'où le quartier semi-riche. Un ermite. Un ermite, un ermite, un ermite. Alors là, c'était un pêcheur. Un ermite. Faut que je trouve un ermite. Hop là, on saute. Hop là. Petit squelette. Hop là. Allez, viens, petit squelette. Tu l'as eu? Tu es balèze, le chien. Bien joué, bien joué, bien joué. Ok, alors, Sandra, la couverture gratte. Oui, ah ah ah, oh oh oh. L'ermite. Il faut que je trouve l'ermite. La maison de. C'était pas l'ermite. Petite ermite. Maison de Papyronnée. Maison de Papy Georges. Maison de Rocco le Poireau. Donc là-bas, il y a bien une cabane. Je pense pas que ce soit lui. Non, je pense pas que ce soit lui. Il y avait une quête où il fallait que je pêche. Mais je vais pas la faire puisque. Alors l'ermite, il doit être dans un coin perdu, peut-être. Je vais juste vérifier qu'ici, il n'y a rien.
Et puis après, on ira. Ok, on ira visiter. C'est quoi toute cette zone-là? C'est le quartier pauvre? Alors, l'ermite. L'ermite, il doit être peut-être un peu excentré, on va dire. Hop là, on va aller voir par là, si je m'y cache. Puisque comme c'est un ermite, donc ici c'est le pêcheur avec la fameuse quête. Mais ça m'intéresse pas. Peut-être là-bas. Je vérifie, là il n'y a rien, là il n'y a rien. Un ermite. Là-bas il n'y a rien. Ça m'embête un peu de me promener de nuit comme ça. Là c'était le bateau, là il y a un creeper. Beaucoup de zombies. Alors, comme on n'est pas en hardcore, je me permets de faire ça. C'est vrai que dans des conditions avec une seule vie, j'aurais peut-être fait attention. Allez, viens. Je me méfie parce que j'avais cru voir un creeper là-bas. Donc on n'est pas à l'abri d'entendre un pchit. Voilà, il est là. Il est là. Faut pas que je meure noyé quand même, ce serait embêtant, hein. Voilà, dégage. Ok, parfait. On les a eus. Il faut que je reprenne un peu de bouffe. Hop. Hop, hop. Hop là, hop là, hop là. Je n'ai pas de chance, récompense. Donc c'est pas là l'ermite. Bon, par contre, je vais juste reprendre de la bouffe. Qu'est-ce que je peux prendre? J'ai pas énormément de trucs cuits. Hein. J'ai beaucoup de trucs crus. Ce que je peux faire si je trouve un atelier, c'est. Voilà, c'est du pain. Beaucoup de pain. Tac, 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 tac. Du pain, j'en ai pas mal. Tac, tac. Ok, super. 14 trucs de pain. Ok, super. Ok. Récompense, j'ai pas de chance. Donc ça c'est Bob, on s'en fout, c'est pas l'ermite. Un ermite vous attend dans le quartier semi-riche. Et en plus il fait nuit quoi, c'est ça qui m'embête, c'est que je peux pas trop me promener. Quartier semi-riche. Un ermite vous attend dans le quartier semi-riche. Qu'est-ce que je fais? Je rush un peu. Quartier semi-riche. Squelette, squelette. Là-bas on est d'accord, il n'y a rien. Non, non. Ça c'est le quartier riche. Ok, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, je pense que c'est pas là. Quartier semi-riche, ok. On va y retourner. Hein. J'ai fait le tour tout à l'heure, je pensais pas avoir vu grand-chose, mais j'ai dû louper. J'ai dû louper un truc. Donc on y retourne. Un ermite vous attend dans le quartier semi-riche. Dans le quartier. Dans le quartier semi-riche. Donc on y retourne. Peut-être à gauche, tiens, là. Là, il y a peut-être quelque chose. Il y a un creeper, ça c'est sûr et certain. Voilà. Mon mur ici. Pourquoi t'es couché toi? Non. Reste comme ça. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? C'est un peu craignos ça. Ok, allez, de toute façon c'est l'heure. Je vais arrêter là cet épisode pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va se retrouver ici. Puis on va voir un peu où nous mène l'aventure. Il faut que je trouve ce fameux ermite. Il y a pas mal de choses à faire. À la prochaine, salut tout le monde.